Alors bonjour, je vous présente Corentin et Paul de Balibaris. Donc c'est une jeune marque française, je vais leur laisser présenter. Une marque qui a combien? 2-3 ans maintenant? Un an. Non, ça fait un an seulement. Ça fait un an, décembre 2010 en fait, ça fait un an et un mois. Alors je les suis vraiment depuis le début, parce que j'étais... En fait on a commencé avec des accessoires, ils sont tous là. Donc de la maroquinerie, des cravates, des nœuds papillons. Donc ça c'était l'hiver dernier. Ensuite l'été on a lancé, on a élargi un peu, donc on a fait des maillots de bain, des sacs. Et cet hiver, on a lancé notre première collection à peu près complète. Donc on n'avait pas de pièces compliquées, pas de pièces à manches. Et donc là, on présente en fait un peu d'été et un peu d'hiver. C'est notre premier salon. Donc cet été, en fait, on poursuit ce qu'on a fait un peu cet hiver. Donc on travaille encore beaucoup le chambray, donc qu'on a décliné maintenant en couleur. Voilà, on a pas mal d'Oxford aussi, qui sont des Oxford américains. Alors l'histoire de la marque, c'est qu'en fait, on produit tout en Europe, quand c'est possible en France, en Italie, au Portugal, en Écosse pour les cachemires. Les manteaux, ils sont faits entre la France et la Pologne, en fait, dans les deux pays. Voilà, ce sont les t-shirts, tout est fait en France. La marinière est faite en Bretagne. On a aussi des pulls qui viennent de la même, du même atelier en Bretagne. Voilà, qu'on va décliner en couleur pour l'hiver prochain. Et la maille est italienne intégralement, en fait. On a aussi un peu de maroquinerie qui n'est pas totalement finie. En fait, on réédite nos sacs, mais dans d'autres couleurs qu'on n'a pas encore. On a deux manteaux pour l'instant, on a un caban col fourré et le duffel coat. Et on a commencé à travailler sur une veste. Donc on est très content de la coupe, donc on va commencer un peu à la... Ouais.